À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. C'est la position de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. À qui je réponds, à la sortie de cette crise, il faudra faire le ménage, un grand ménage, naturellement dans l'entourage du président. Pas seulement on change de fusible, donc de Premier ministre. Pourquoi pas pour M. Bruno Le Maire, par exemple, puisqu'il est déjà en marche pour le jour d'après. Un grand ménage, une dissolution d'une Assemblée nationale où tellement de députés ont revêtu leur costume étroit et coutume sectaire. Bien sûr, mon député au vieux costume des années 80 récupéré dans la vieille armoire du RPR peut se sentir visé, un certain monsieur Aurélien Pradié. Un grand ménage, au rayon de la France des experts en platitude et relations mondaines, enrichis par des multinationales. Un grand ménage au rayon des médias, de la France d'accompagnement des installés. Quant au MEDEF, M. Geoffroy Roux de Bézieux, son patron, est sûrement dans son rôle, mais il ne représente qu'une petite voix dans notre pays. Je lui donne trop d'importance en la reprenant, mais j'espère ne pas devoir y revenir. Hein. Il faudra travailler un peu plus. Donc, c'est dans le Figaro. Il faut bien se poser la question, tôt ou tard, du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. Oui, quand même, les milliardaires ont beaucoup perdu, donc les pauvres devront faire des efforts. Quant à monsieur Bruno Le Maire, un nouveau baladur pour la France. Monsieur Bruno Le Maire, à la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. Ça me rappelle 1994, Édouard Balladur à Matignon. Il va falloir faire des sacrifices. Finalement, à quelle période on n'a pas demandé aux plus pauvres des efforts et des sacrifices?